Thank you.
facteurs de risque et de prévention. Les facteurs de risque, eh ben, ça peut être un traumatisme direct qui peut être causé par le musicien lui-même. Ça peut être un choc, à suite d'un choc, une négligence. Ça peut être causé par un tiers, c'est-à-dire soit un accident, soit une agression, ou même un simple mouvement. Les traumatismes peuvent être aussi indirects, et là il peut y avoir pas mal de problèmes dus à des problèmes d'hygiène, des problèmes d'utiliser ses dents un peu comme des casse-noix ou pour réparer les circuits électriques de la maison. La prévention, eh bien il s'agit pour tout un chacun d'avoir au moins une radiographie panoramique, des modèles en plâtre, des moulages en plâtre, évidemment dentifrice et un dentifrice et une brosse à dents, et surtout les utiliser ne peut pas nuire. Et c'est, je crois, l'élément essentiel de la prévention. Jusqu'à une certaine fréquence, mesure la même chose, c'est-à-dire que le rayonnement est isotropique, le son est rayonné dans toutes les directions. Par contre, quand on va monter en fréquence, en fait, il va y avoir des microphones qui vont exagérer en quelque sorte le signal, c'est-à-dire qu'il y aura trop de signal par rapport à un signal moyen, qui serait une puissance moyenne rayonnée, ce que l'on perçoit dans la salle. Et des microphones, évidemment, qui sous-estiment cette puissance moyenne. Alors, évidemment, à partir de ces courbes, on peut en déduire, on peut le relier à la prise de son. Par exemple, quand on met un microphone dans l'axe du pavillon, évidemment, on a un son strident, parce qu'on a beaucoup de fréquences aiguës.